Good morgen, allez, Iden les sucera aujourd'hui, Leilo Nishmat, Richard Aaron Ben Fortune Mazal et Claude Yitzhak Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternel. Nous étions Masechet Yoma, Perek Bet Mishnahe, Tamid Karev Betisha, Baasara, Beechadasar, Bishnamasar, lo pachot velo yoter. Keitzad Atzmo Betisha, Bechag Beyad Echad Atzlochit Shel Maim, Arekan Asara, Ben Arbaim, Beechadasar, Hu Atzmo Betisha. ושני מיידם, שני גזירי עצים. ובשבת, באחד עשר, הוא עצמו בתשעה, ושני מיידם, שני בזיחי לבונה של לחם הפנים. ובשבת שבתוך החג, ביד אחד צלוחית של מים. On a une משנה, qui va venir compléter en fait la משנה גימל, en rapport avec le pays sachani. Le deuxième tirage au sort. Je lis la toute première partie de la משנה, histoire de... D'abord de débuter la Mishnah concrètement, après on expliquera un peu mieux. Tamid Karev Betisha, le Korban Tamid du matin, non, Korban Tamid, on peut le faire avec Tesha, avec 9 personnes, Baasara, avec 10 personnes, Bechadasar, avec 11 personnes, Bishnem Asar, ou encore parfois même avec 12 personnes. Selon la configuration, alors qu'on avait désigné 9 personnes qui allaient s'occuper du Korban Tamid, dans certaines configurations, en fait, il fallait désigner 10 personnes, 11 personnes ou 12 personnes qui allaient offrir le Korban Tamid et tous les détails à Avodot qu'il fallait faire, le Pachot Volotaire, ni plus ni moins. On sait qu'on explique un petit peu mieux. On avait appris dans le Païs Hacheni, c'est le Païs essentiel, c'est le tirage au sort essentiel, en fait, par rapport au Korban Tamid. On avait vu qu'il y avait 4 Païs le matin, tous les jours, on n'est plus en rapport avec Yom Kippour spécialement. Au contraire, on est sur tous les jours de l'année. Il y avait 4 fois en tiré au sort qui allaient mériter de faire les avodot particulières. Il y avait la première, c'était sur le Tourmata des chaînes. La deuxième, c'était par rapport au Korban Tamid. Et là, il y avait 13 heureux élus. C'est-à-dire, une fois qu'on avait désigné un, de lui, on comptait 13 personnes et on les appelait tous pour faire des avodot particulières. Pour faire des... Alors, il y avait... Enfin, on ne va pas reprendre toute la Mishnah à Guimel, mais si vous regardez un petit peu en arrière, vous allez voir... Il fallait deux qui allaient s'occuper de rentrer dans le Echal pour préparer la menorah et pour préparer le misbéach, vider les cendres et tout ça, tout raviver le préparer pour qu'on allait ensuite faire l'encens. Il y avait à part ça deux qui s'occupaient de faire la shrita et la zrika du Korban Tamid. Et ça, on ne va pas les compter dans notre Mishnah, les 4 premiers. Ce qui nous intéresse, c'est depuis le moment où on commence à faire monter les membres du Korban Tamid. On a dit qu'il y en avait 13, donc on en a supprimé 4, il en reste 9. Dans un jour classique, il y en a 9. Il y avait 6 qui s'occupaient de prendre, une fois qu'on avait disséqué et coupé les membres du Korban Tamid en 6 parts importantes, un qui avait la tête et le pied, un qui avait les deux pieds, un qui avait tout le torse, un qui avait... D'accord, comme ça on avait appris. Donc il y avait 6 heureux élus, et en plus de ça, il y avait à part ça, il fallait un qui allait apporter la solette, la mincha, un qui a apporté le chavité Kohen Gadol, et un l'Uyaïn, le vin, les oblations de vin. Donc ça fait qu'il y avait au minimum, pour le Korban Tamid, depuis le moment où on commence à faire monter les membres, eh bien il y a au minimum 9 élus, 9 gagnants dans le tirage au sort. La Michel me dit ça, que dans certaines situations, eh bien il va falloir désigner depuis, au lieu de compter 9, tu comptes 10. Parfois tu vas compter 11, et parfois tu vas compter 12. C'est en fait le but de la Mishnah. Et elle me commence à me préciser, Keitzad, Atzmo Betisha, lui-même, 9. Un jour classique, normal, rien de spécial. Alors on apporte 9. Bechag, pendant Chag, toujours on avait appris, quand il y a le mot Chag dans la Mishnah, on parle de Chag à Sukkot. D'accord? Il y a donc Chag, c'est à Sukkot. Eh bien, il y a en plus de ça, pour le matin, Beyad Echad Tzlochit Shel Maim. Dans les mains de l'un d'eux, il y avait une Tzlochit Shel Maim, une fiole d'eau. Il fallait. En plus de ça, il y avait une oblation. En plus de l'oblation de semoule et du vin inversé, alors il fallait même aussi apporter de l'eau sur le misbéach. Étant donné que pendant Sukkot, Hachem nous juge sur l'eau, donc on lui faisait une offrande avec de l'eau, il y avait tout le rituel de Simchat Bet HaShoeva. Bientôt on arrivera à Masechet Souka, et on découvrira ça plus longuement exactement. Il y a tout un péré qui explique grandement, longuement comment ça se passait exactement. Donc, on a dit 9 plus 1, ça fait déjà 10. Ensuite, donc Arika Nassara, pour le moment, on arrive à 10. Ben Arbaim, sur le Ben Arbaim, l'après-midi, le Korban Tamid de l'après-midi, on faisait de nouveau un nouveau tirage au sort.
Sache que cette fois-ci, dans un jour classique, il y aura Be'echadasar, il y aura 11 heureux élus, 11 vainqueurs, 11 gagnants. Pourquoi? Parce que Hu Atzmo Betish A, tu reprends dans la Mishnah Gimel, tu as les 9, mais avec en plus de ça, Ushneim Be'yadam, Shnei Gezire Etzim, deux avec, dans les mains, deux bûches de bois. Il y avait dans, ça on ne l'a pas vu dans le Tamid Shel Shachar, parce qu'en fait c'était celui qui faisait la Tumat HaDeshen, qui apportait aussi le Shnei Gezire Etzim. Shnei Gezire Etzim, c'était en plus de préparer le bûcher sur le misbar dans lequel on allait brûler les korbanot, il y avait en plus de ça, il y avait une offrande spéciale d'apporter deux bûches de bois, de les monter. Le matin, c'était une personne qui amenait les deux bûches, l'après-midi, c'était deux personnes qui amenaient chacune une bûche. D'accord? Donc, Oatzmo Betisha, Oshneim et Adam, Shneik Ziretim, deux avec en main les deux bûches de bois. Ou Beshabbat, Bechadassar, idem encore, sache que même le Shabbat aussi, il y avait, le Shabbat matin cette fois-ci, il y avait 11 personnes. Pourquoi? Oatzmo Betisha, lui-même, le Korban Tamid, on le faisait avec 9 personnes. Et deux avec, qui tenaient en main les deux Bazirhe Levona. Les deux, la Levona, Shalechem Apanim. Dans le, une des grandes avodotes du Shabbat, il y a deux avodotes au Bet HaMikdash du Shabbat. Il y avait d'apporter les Shnei Kevasim, Biyom Shabbat Shnei Kevasim, Beneshanat Mimim, comme ce qu'on dit dans le Moussaf, c'est d'apporter les deux, donc les deux Kevasim. Il y a même plus à ça l'avodat du Lechem Apanim, les 12 pains. Il fallait les 12 pains qu'on avait pris longuement dans Menachot, qu'il fallait apporter avec 4 Kohanim, 2 qui apportaient les nouveaux, 2 qui récupéraient les anciens. Et là-bas, il y avait 2 cuillères avec de l'encens, de la Levona dedans. Ces cuillères-là, il fallait les faire monter, il y en avait 2, il fallait les faire monter sur le Misbéach. La Mishnah nous dit, on va désigner de nouveau 2 Kohen qui vont prendre chacun une cuillère pour le monter sur le Misbéach, le faire brûler sur le Misbéach. Donc, en fait, donc, on a les 9 classiques de tout Korban Tamid, avec en plus de ça, les 2 qui vont avoir les 2 Bazir Chelevona, ça fait déjà 11 pour Shabbat aussi. Donc on a deux cas de figure où il y a 11, soit tous les après-midi, ou soit tous les Shabbat matin. Et au Beshabbat Shabbat Chechag, et lorsque c'est le Shabbat qui tombe pendant Sukkot, alors là c'est simple, vous allez en avoir 12. Beyad Echad Tzluchit Shabbat, j'ai sauté, Shnei Bazir Chechag, Beshabbat Shabbat Chechag, rajoutez sur les 11 précédents qu'on a évoqués, donc 9 pour le Korban Tamid, pour les 6 qui apportent les membres, 8 plus la Mincha, El Chavitin et le Yain Neser. En plus de ça, vous rajoutez maintenant les 2 qui ont les 2 Bazir et Levona, donc on est arrivé à 11. Et vous rajoutez encore un qui va avoir dans sa main la petite bouteille d'eau pour aller verser sur le Misbéach. Donc ça fait le 12e. Et le compte est bon. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.